Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce train en direction de Paris. Après ce train, je prendrai un avion et après cet avion, je prendrai une navette. Donc Blackpool, c'est pas tout près. Blackpool, faut avoir envie d'y aller, mais Blackpool, c'est l'endroit où il faut être au mois de février. Sinon, vous avez quand même l'impression de pas être au bon endroit pendant 4-5 jours. Vous allez voir des vidéos de vos copains, vos amis, vos gens que vous connaissez qui sont tous là-bas. Donc la meilleure façon pour ne pas être frustré, c'est d'y aller. Donc je devais au départ y aller, finalement je ne devais plus y aller. Et Michael Murray a réussi à me convaincre en m'envoyant une photo. Voilà pourquoi, quelques heures après cette fameuse photo, je me trouve dans un train alors que je n'avais pas du tout prévu d'y retourner. Cette année en tout cas. Au final, ça s'était annulé au dernier moment. Mais bon, voilà, let's go, on est parti. On va faire découvrir un petit peu bah, comme l'année dernière, une petite vidéo sur le congrès, histoire de vous partager les joies de Blackpool. J'essaierai de faire d'avoir des petits moments sympas avec des gens que vous aimez bien et que vous appréciez par-dessus tout. Bon, je vous remercie, merci de votre écoute et à tout de suite pour la suite du voyage. That's the best part of being an illusionist. I don't have to do anything. Barbara does all the work for me. Because if you take a look, she has perfectly been able to restore herself. It's okay. There's a number between 1 and 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, wait. 7. Red or black? White. So we use the pure red 7s for this trip. 1 and 2. Okay, it's a joke. So you sign it. Ah, il veut pas gâcher le gars. Ouais, en fait, il veut juste pas gâcher le gars. Mais pas ton vrai prénom, hein, parce qu'il dit. Tu mets quoi? Un autre. Hop. Ah. We have the two red sevens and your sign card. You just drop back your sign into the middle. Okay, right. Right. That's it. First seven of diamonds, turn face down, and I just drop the card like this, and we just throw it in somewhere in the middle face down. And here is the next one, the seven of hearts. Just drop it in. So the two sevens. Turn that card over.
Oh, it's no good. Yeah, bravo. Il a derrière lui un orchestre philharmonique tout le temps. Et quand il tourne la tête, ça fait. C'est un mec de trop fort, bravo. Avec trois cartes choisies. D'accord. Ça va ? Ouais. Donc je vais faire participer. Okay. Tu bouges un peu. Et tu la regardes, tu la montres à tout le monde, à la caméra. Yes. La première. Ok. Tu prends les cartes. La deuxième. Quelques cartes. Et la troisième. Vous regardez vos cartes, vous les mémorisez. Ok. Alors voici une. La pièce de théâtre. La première. La deuxième. La deuxième. Et pour la dernière, je vais te demander de me dire stop quand tu veux. Dis-moi stop quand tu veux. Stop. Ok, on met ta carte. Dedans. Alors je voudrais savoir, est-ce que tu vois ta carte dessus? Non. C'est bon. C'est la dernière réplique de la pièce de théâtre. Donc votre carte est perdue dedans. Et la tête. Alors, je vais tenter une petite expérience et pour ça, je vais bouger. Voilà. Si je mets le jeu devant toi, il est à peu près devant toi. Tu sais pourquoi? Parce que non, elle est devant toi parce que le jeu était devant toi. D'accord. C'est que, mais si par exemple je mets le jeu devant toi, donc, le principe est
Il a je mets le jeu de mon poids et c'est normal parce que le jeu est devant toi. The deck is with you. Yes. And I place the deck with you and now I have your card. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir de vous croiser à Blackpool parce qu'il y a quand même beaucoup de Français qui se déplacent maintenant au congrès de Blackpool. Donc on a croisé beaucoup de nos clients qui sont venus nous voir, qui sont venus se présenter. On en a aussi croisé qu'on connaissait déjà. En tout cas, c'est un plaisir à chaque fois de mettre des visages sur des noms. Donc n'hésitez pas, si vous nous croisez dans les congrès, à venir nous voir. On sera toujours très heureux de vous parler et c'est vraiment un plaisir. Et on voulait aussi vous dire, n'hésitez pas à aller à Blackpool. C'est quand même un congrès extraordinaire. Extraordinaire pour plusieurs raisons, puisque c'est quand même l'endroit, le Winter Garden est quand même un endroit dingue. Les salles de spectacle sont belles, les salles de conférence sont quand même assez grandes. L'endroit, et c'est vrai qu'il est très très adapté pour des réunions d'autant de personnes. Et pour le coup, la salle des marchands est incroyable, il y a plusieurs salles d'ailleurs. Il y a des marchands de partout, si vous aimez bien flâner. Alors des fois ça peut être pénible parce qu'il y a du monde partout, mais bon, je trouve que ça va encore quand même. Vous pouvez vous balader, mais il y a eu des années, on pouvait même pas se balader dans les allées. Là j'ai trouvé quand même que cette année ça allait, même s'il y a du monde partout. Hein, et j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de monde. Mais en tout cas, les Français sont énormément représentés là-bas. Et surtout aussi, c'est très appréciable, puisque en fin de journée, on se retrouve tous au même endroit, c'est-à-dire le Ruskin, l'endroit, le bar où tout le monde se retrouve, tous les magiciens se retrouvent. Donc vous pouvez être à côté. Je vais vous parler des autres années, mais moi j'ai vécu des trucs de dingue là-bas. J'ai vécu, pas les débuts, mais les premières fois où Anthony Jacquin se faisait connaître et tout ça. J'ai vécu des séances d'hypnose dans ce bar-là, j'ai vécu même Maven, j'ai vécu des trucs de... J'ai vécu les débuts de certains magiciens. Là, cette année encore, Ben Earl, BBL, faisait des séances de cartomagie, enfin, de Michael Murray, pendant des heures et des heures, à nous faire des effets, enfin, c'est incroyable, c'est vrai que c'est des endroits dingues. Parce que tout le monde est au même niveau, que vous soyez débutant, expert, même si vous avez des choses à montrer ou pas, vous êtes accepté, vous êtes là, vous parlez à tout le monde. Donc si vous êtes français, n'hésitez pas à venir, vous serez bien accueilli par l'équipe de français. J'ai énormément rigolé encore cette année, j'ai passé des moments exceptionnels, vous vous reconnaîtrez tous, bah, tous les gens avec qui on a passé du temps, parce que vous êtes nombreux, et on s'est vraiment marré. Vous allez là-bas, vous passez parce que c'est ça qui est important, c'est quoi? C'est de se marrer, quoi. C'est pas se prendre au sérieux, c'est profiter d'avoir une belle passion commune. Et pour le coup, pourquoi c'est exceptionnel Blackpool? Parce que ça réunit tout ça dans un endroit dingue, des moments privilégiés avec des gens exceptionnels. Et on se marre, et on voit des choses exceptionnelles, que ce soit des gens connus ou même moins connus. Des fois, vous allez être surpris, vous allez voir un gars arriver qui vient du fin fond du Pérou et qui vous voit vous présenter un effet de dingue. C'est pour ça que c'est beau. On a aussi vu que Dr Moss, que vous pouvez voir dans la vidéo, qui fait James Bond dans la vidéo. Ça c'était exceptionnel, un moment unique. J'ai une vidéo encore plus longue, mais si vous avez la chance de le croiser dans un congrès, et je crois d'ailleurs qu'il sera au prochain congrès d'Olmac fin avril à Nice, donc n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à aller dans les congrès français, n'hésitez pas à aller dans les congrès internationaux, n'hésitez pas à aller dans les congrès, dans tous les congrès, dès qu'il y a des rassemblements de magiciens, parce que franchement, ça fait du bien. Franchement, ça vous met des bonnes ondes, parce que vous croisez des gens qui ont la même passion que vous, et ça rigole, ça se marre, ça se juge pas, ça partage des moments ensemble, et pour ça, c'est beau, en tout cas. On a une belle passion commune, et on s'en rend compte davantage quand on est dans ce genre d'endroit, parce que les gens profitent, les gens passent du bon temps ensemble, et tout cas, ben bref, je ne vais pas vous saouler, mais en tout cas, vous n'allez pas beaucoup dormir, vous allez revenir, vous serez un peu out et complètement déconnecté de la société, mais ça fait plaisir, et en tout cas, je vous remercie d'avoir été là, voilà, on se revoit très bientôt, en tout cas dans différents congrès, et profitez de la vie, et amusez-vous avec les gens que vous aimez, et on se voit l'année prochaine à Blackpool, au mois de février.
On se retrouvera en bas. Vous prenez l'escalier, vous prenez une bière et on sera là. Bon, allez, en tout cas, à bientôt. Ciao.